Une famille d'orfailleurs qui travaille à la bâtée. Il cherche dans la terre et avec la bâtée, il met dans l'eau. Hein. Pratiquement à 2 heures par jour. Il va couper donc à la machette, pour le sucer comme un bonbon. Et voyez la pulpe là, il couvre chaque fève, c'est ça qui va fermenter. La fermentation c'est important, parce que ça va donner un bon pH. La racine c'est épinée comme vous voyez, c'est la protection. La dame elle utilise à certains moments la racine épinée pour râper la patate douce. Il faut mettre la main, attendre quelques secondes, et après, on va voir qu'il y a pas mal de termites. Il faut les écraser et vous pouvez sentir l'odeur.
D'abord, il faut savoir que la maison qu'on va visiter maintenant, c'est pas un trou qu'on monte pour les touristes. On est sur une île où il y a 80 familles. Dans chaque famille, il y a entre 4 et 5 enfants. La pièce où nous sommes maintenant, ça correspond à la cuisine de ce côté et la salle à manger. Les matériaux donc pour construire les maisons sont des matériaux qu'on trouve dans l'Amazonie. Par exemple, le bois, le fer et l'écorce de bambou qu'on met par terre. Après donc, nous avons le toit. Donc, comme nous sommes dans la cuisine, là nous avons l'équivalent à la cuisine. Mm-hmm. Hein, le feu là-bas qui reste allumé toute la journée, même le soir, même la nuit. Donc au milieu, si vous pouvez apprécier un peu, il y a trois pierres, différentes tailles, grosse, moyenne et petite. Ils représentent le papa, la maman et les enfants. Il faut savoir donc que les enfants qui habitent sur l'île, dans chaque famille, ils sont tous scolarisés, ils vont tous à l'école. Et après donc, ils cultivent dans la parcelle papaye, cacao, café, banane et manioc. Vous voyez le trou ici? Ça c'est la poubelle. Ils jettent par là l'écorce de tous les trous pour nous protéger contre les moustiques. C'est ça qu'elle fait donc aussi quand elle travaille, laboure la terre. Elle met à côté donc un morceau de termitière à brûler. La chicha c'est important parce que c'est la boisson traditionnelle. Chicha fermentée c'est la boisson pour la fête. Ça peut monter à 12 degrés. Et nous avons aussi une chicha qui ne s'est pas fermentée par contre. Des fois, quand il n'a pas grand-chose à manger, il boit le matin, il boit l'après-midi et le soir un bol de chicha pilé, le manioc, pour obtenir donc la pâte, le purée manioc. Le morceau de racine épinée pour râper la patate douce, il va le mélanger avec un pot d'eau. Il va mettre de l'eau avec la patate douce à la place de la salive. À partir du troisième jour, ça se fermente déjà jusqu'au 12 degrés. À 8 ou 10 jours de fermentation. Et le mariage, on va en cœur de mariage à partir à 14-15 ans. La fille, ouais, le garçon pareil, 15-16 ans. C'est pour ça qu'actuellement, le gouvernement il essaie de faire passer une loi d'interdiction de mariage avant 18 ans. Il n'y a pas une éducation. Déjà, l'éducation sexuelle chez nous, dans les écoles, c'est encore un tabou. Pour la fabrication donc d'un sarbacane, il faut découper deux demi-morceaux de la même longueur. Donc c'est pas un seul cerbacane coup dedans, c'est deux demi-morceaux percés, chaque demi-morceau qu'on cave, qu'on met ensemble, et après donc pour le garder ensemble, on met autour la fibre d'une liane. Garder plus de 90 ans, et normalement ça se passe de génération en génération. On l'appelle l'arme silencieuse. Parce qu'on peut se promener au milieu de l'Amazonie sans se faire remarquer. Un bon chasseur, donc il peut attraper un oiseau en plein vol à 30 ou 40 mètres. La flèche, elle est faite avec la fibre d'une feuille. On peut sentir que c'est léger. Et justement aussi, le matiri, ça s'appelle matiri en quichua, c'est-à-dire le morceau de bambou pour garder les flèches. La calebasse pour garder le capoc. Le capot qu'on va le mettre autour, ça va nous aider donc justement à diriger la flèche. Et aussi quand on cherche la cerbacane, ça permet que la flèche se garde dedans sans reculer et sans blesser le chasseur. La pointe fissurée de la flèche, le moment que ça rentre dans le corps de l'animal, l'animal il essaie de s'enlever la flèche, ça se casse, il reste uniquement la pointe avec le cuirage.